Alors voilà, ici je travaille en mode Q-switching avec un modulateur acousto-optique qui se trouve ici. Le laser est au minimum de puissance, à peu près à 2 watts actuellement. Je suis à 21 ampères, je vais monter après à 29 ampères. Ici j'ai donc le miroir de sortie, une lame qui récupère 4% de l'énergie, qui la renvoie sur une photodiode. Et voilà les pulses que j'obtiens. Alors là, je suis actuellement à 25 ampères. J'ai une puissance de sortie de, on va dire ça, 3,67 watts. Et ici, on voit les pulses. Par rapport à avant, évidemment, bien plus important. Alors là, on a le modulateur acousto-optique.